La 9e promotion de licence de l'École d'horticulture et d'aménagement des espaces verts et EAEV de l'Université nationale d'agriculture a soutenu pour l'obtention de la licence professionnelle. Ils sont au total 46 à plancher les 29 et 30 juillet 2024 sur le campus d'Hawaï. Cette année, nous avons 46 étudiants. Tous ont été présents pendant 3 ans. Où ils ont travaillé à travers les enseignements reçus et à travers les pratiques que nous donnons, les travaux pratiques que nous leur donnons. Arrimé à cela, il y a des stages dans les entreprises chez nos partenaires et ce jour-ci, c'est la soutenance. Actuellement, ils sont en train de démontrer à leur père et au public ce qu'ils savent faire, ce que nous appelons exposer l'étudiant au Mémoire Challenge. Le Mémoire Challenge, c'est l'option choisie par l'école. Ce type de mémoire demande à l'apprenant d'aller sur le terrain et de relever un défi de production. Ils sont confrontés à des situations réelles qu'ils doivent pouvoir résoudre afin de pouvoir montrer leur capacité à travailler dans leur domaine de spécialité. Et c'est ce que vous avez vu aujourd'hui où les étudiants, après la démonstration en salle, vont sur la feuille d'application pour montrer également les travaux réalisés et les résultats. Et tout ceci a été possible grâce au degré de la formation pratique qu'on leur donne déjà au cours du cursus. Sur le terrain, nous avons pu voir les expérimentations mises en place par nos étudiants. Que ce soit pour ce qui concerne la production horticole ouvrière et que pour la production des fleurs et des plantes ornementales. Alors, je pourrais prendre quelques exemples comme ça à la volée. Parlant de l'horticulture ouvrière, j'ai assisté dans un jury où les étudiants ont travaillé sur le gombo et où ils ont testé différents biofertilisants et ils ont pu conduire donc leur expérimentation du début jusqu'à la fin, ce qui a démontré leur maîtrise de l'itinéraire technique de cette culture-là, qui est le gombo. Des résultats qui sont perceptibles à travers des démonstrations faites par les étudiants. Et chaque unité parcellaire fait 1 mètre carré, et vous voyez 20 plants dans chaque unité parcellaire. Ici, il y a le mélange sable de rivière plus terreau, 50%-50%. Ici, il y a la terre végétale comme témoin. Le travail que j'ai mené durant ces 3 mois de stage est axé sur la réalisation d'un plan de réaménagement du palais royal de Keto. L'objectif étant de produire un travail visant à valoriser le site de manière historique, culturelle, mais aussi en valorisant les espèces du milieu. Ces produits de l'EAEV ont commencé à faire leurs preuves sur le terrain et font bonne impression pendant les stages. Je dirais que celui d'aménagement et environnement a démarré ses activités avec deux de ses anciens étudiants immigrés. Au niveau des activités qu'on leur confie, ils sont à la hauteur. Nous remarquons tout simplement que l'université est véritablement au service de la société. C'est du concret qui se fait ici. Ce que les étudiants sont venus réaliser au sein de la mairie de Ketou, à savoir l'aménagement d'espaces verts. C'est de cela qu'il s'agit. Comme je l'ai dit, c'est du concret. Les étudiants, l'université, tous ensemble au service du développement de la nation. Je vous salue beaucoup, les étudiants, que je vous remercie dans votre travail que vous avez fait, précisément au niveau de royauté de Ketou, au niveau du palais aussi, et on vous remercie beaucoup. Tout ce que vous voulez faire au palais, au niveau du palais, nous sommes prêts avec vous. Parce que c'est pour le développement de royauté, précisément le développement du palais royal de Ketou. Les 2 jours de soutenance ont accouché de 40 mentions très bien, dont 12 filles et 6 mentions bien, dont une fille. Avec un tel résultat, il y a de quoi être satisfait. Je suis, fière de mes étudiants. Ce n'était pas facile au début, mais les étudiants se sont mis au boulot.
Ils ont travaillé avec abnégation et je puis dire que je suis satisfaite des résultats. Ce n'est pas encore ce qu'on souhaite vraiment, mais quand on regarde la motivation qui est démontrée par chaque étudiant, c'est vrai, ils étaient en binôme, mais ils arrivent à travailler et à nous sortir des résultats et à être capables de l'expliquer au monde. C'est très important.